demande comment va Alfdan, maintenant qu'il est sur le trône. Moira sait peut-être où est Taliel. Quelque chose ne va pas, Moira? Je pleure pour la Northumbrie. C'est Alfdan? Ça a empiré? Il a le cœur brisé. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Avec la perte de Faravid et l'éloignement de ses frères, il vit dans la tristesse et la crainte. Je pourrais aller lui parler. Où est-il en ce moment? Il erre dans les champs de Pitcheringa, avec son cher Beonton. Je vais le trouver. Merci, Moira. Pitcheringa est à l'est. Il suffit de suivre la route vers Scarborough. Montre-moi ces terres, mon ami. Sois mes yeux, Sinéad. Fille.
rien que la neige. Aussi silencieuse qu'un défunt autour. Debout, Halfdan. Je te ramène à Jorvik. Allez, debout. Un roi n'a pas le droit de bouder. Des hommes sont morts pour t'asseoir sur ce trône. Alors occupe-le. Mon frère Ivar, il est mort comme il faut. Il est mort en se battant. Tu as tué mon frère, et tu ne m'en as rien dit. Tu me l'as caché. Ce n'était pas un secret. Ubbe le savait. Il... Laisse-moi. Non. Je suis là pour te ramener chez toi. Alors lève-toi. J'ai égaré mon marteau. Je crois que Beonton est parti le chercher, mais je ne suis pas bien, Eivor. Je vais le retrouver, ton marteau. Et ensuite, tu viendras avec moi. J'étais en route pour Scarborough. Si tu trouves mon marteau, apporte-le-moi là-bas. Je te le demande. Non, je l'exige. Envoie-moi un champion de Holmgang pour... Montre-moi. Viens ! Voilà Beonton, qui garde le marteau. Cet ivrogne a besoin de son marteau.
Ce marteau-là n'est pas fait pour être lancé, Halfdan. Souviens-t'en à l'avenir. C'est mon père Ragnar qui me l'a donné. Il l'avait pris à un chef finnois. Il était encore couvert de sang chaud quand il me l'a offert. J'avais 14 hivers. Ragnar Lodbrok a été un grand roi. C'est une flèche finnoise qui a tué ma mère. Elle était une guerrière au bouclier, aussi féroce que le loup qui a englouti le soleil. Mon père a juré de tuer ceux qui nous l'avaient prise. Et il l'a fait. À 14 contre 1. Mais c'était il y a des années dans l'Est. Et nous sommes dans l'Ouest, où mon père gît. Un tas d'ossements dans une fosse à serpents. Et pourtant nous sommes là, à encore parler de sa vie et de ses hauts faits. Comment est mort mon frère ? La hache en main, attendant celle qui accompagne les morts au combat. Alors il boit avec notre père, en attendant la guerre de la fin des temps. Et Anton, mon chien ! Viens ici ! Un chien pardonne toujours, mais il a besoin de toi, comme toute la Northumbrie. Fais une dernière chose pour moi. Allume le fanal que tous puissent le voir, et laisse-le brûler. Toujours le bienvenu dans ma halle.